Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Made in France. Je suis en compagnie de El Papitub. Hey, salut tout le monde, salut à toi. Salut à toi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ben ça c'est cool. On n'a pas fait de off entre les deux épisodes parce que je vous le dis tout de suite, on les tourne Q-à-Q. Voilà, c'est notre façon de faire. Et puis c'est mieux pour vous, au moins vous voyez l'avancée, pas du off tout le temps. Dégage la mouche. Oh, c'est pas ta vidéo, c'est la mienne. Voilà, papy finit de À la ramasser la tapette. paille là-bas. Comme vous avez pu voir dans la fin de l'épisode, on a encore fait un braquage. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Voilà. On a vendu au bon moment, voilà, c'est ça qu'il faut se Ouais. dire. On va aller remplir un peu les poupoules, parce qu'elles ont faim, nos poupoules, les amis. Ouais, je pense que ouais. Sinon, ils vont chier des cailloux au lieu de chier des œufs. C'est Enfin, pondre ça. des cailloux au lieu C'est ça. de. Et donc. Ah, j'ai un souci dessus. Oh non, c'est bon. On va faire du déchaumage et du semis de maïs, les amis, dans cet épisode. Et la colza, on la ramassera après. On va donner la fin du sorgho, un poupoule. Ils aiment bien le sorgho, les poupoules. Qu'elle continue à produire des nœuds neufs. Hop là. Du sorgho, puis on leur mettra du blé. On va vider le stock de blé, et puis. J'espère que le colza n'a pas fané, lui. J'ai pas regardé sur la carte. J'ai passé 15 jours, Non. donc normalement, non. Mais je pense pas qu'il y ait le. T'es sûr qu'il y ait les fanaisons des cultures? Je ne sais point, tu vois. Je préfère pas prendre de risques, tu vois. Le 11, c'était du colza? 11 et 19? Normalement, ouais, il me semble le 19 et le 11, il me semble que j'ai semé du De toute façon, colza, je crois. on s'est pas levé le colza, donc comme ça on n'a pas de risque. Voilà, merci à tous encore pour les commentaires, les abonnements et tout ça, tout ça. Même si je n'ai pas eu de retour, Vérifie. Ouais. vu que je n'ai pas eu de retour encore, hein, vu qu'on tourne les épisodes l'un derrière l'autre. Hop, le blé. Est-ce que Marissom ça a augmenté un peu? L'avoine, c'est l'orge. En train d'augmenter tout doucement, élevateur à grains, donc on va laisser faire. Et la paille, on est déjà 179 000 et papy continue à ramasser. Donc là, je pense qu'on aura largement assez et de quoi voir venir. Si on voit un jour que le prix est vraiment intéressant, je pense qu'on pourra se permettre d'aller vendre quelques milliers de litres. Ouais, 2-3. Oh, deux, trois bennes, quoi. Je Ouais, on verra bien. Voilà. Allez. Toc. Ça mange les poules, hein? Vache! Et oh, faut arrêter les poules, hein? Ouais, tu mets 9 000 litres de grains. Et reproduction, 50%. Bah, et en même temps, elles peuvent plus se reproduire, les pauvres, elles sont au taquet. Voilà. Puis on vide encore une autochargeuse, donc on passe à 600 et quelques mille. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Bien sûr, c'est une pub, ce papillon. On va nous dire que le brevet est déposé. Voilà. Bon, en tout cas, même si ça a du mal à prendre cette série, j'espère qu'elle finira par prendre quand même. Je vais m'appliquer à faire de la pub tout le temps pour qu'elle prenne. J'ai pas envie de l'arrêter ni de la reprendre en live. Je kiffe la tournée. Je kiffe, même si on n'a pas toute la team en même temps, parce que c'est compliqué d'avoir tout le monde. Je kiffe à faire cette série. À me dire qu'une fois qu'on Bien. aura assez d'argent, on va enfin pouvoir faire fonctionner ces usines et on l'aura de. Ça va être par rapport à notre boulot qu'on aura fait. On aura généré de la thune hein, quand même depuis le début. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Vous voyez tout le matos qu'on a maintenant. Comme toujours, n'hésitez pas à aller voir les deux autres chaînes de la team, celle de Franchou et Giflode, ainsi que toutes les autres chaînes en description. Les chaînes amis. Voilà. Alors, on va prendre le déchaumeur après. On va faire un peu de fent avec du déchaumage. À un moment qu'il n'a pas tourné le fent. Et puis. Écraser un peu. Je pense que Papy me rejoindra après. Ranger ça droit, parce que sinon, notre ami Franchou. T'aurais dû passer un coup de d'engrais avant, peut-être, non? Ah, pas bête, l'ami, pas bête. Bah justement, en parlant d'engrais, on a un peu de sous. J'en ai marre de décharger tout le temps le machin à chaud. Prends le sulky, non? T'as eu la même idée que moi, Papy. Voilà, notre bon vieux Sulky Econov, en Ouais. capacité 4000, 50 mètres. 50 mètres, avec une bâche, parce qu'on peut se le permettre.
Et il va nous Joli. coûter, voilà, c'est plus joli, 23 000 euros. Et du temps qu'on est dans le shop, autant acheter tout de suite la planteuse parce qu'on va faire du semis de maïs et on n'en fera pas qu'une fois. Et ça servira pour les betteraves, et ça servira. Je sais pas si on aura les betteraves ou pas, mais ça servira quoi qu'il arrive. Si on a un BGA un jour, peut-être? Oui, ça peut être une idée qu'on fasse fonctionner un BGA ou qu'on achète le BGA. Ouais, je sais pas combien il est le BGA. Ça, on a 6 mètres, je sais pas, j'ai pas regardé. On a Luck Neverland en 12 mètres à 168 000 euros. Et faut 230 chevaux, je pense qu'on peut se permettre. Ah non, c'est les semoirs, je suis pas dans le semoir, c'est planteuse Bah qu'il oui, ce faut. que j'allais dire, le Gouvernelan de planteux, ça me paraît bizarre. 9 mètres. On a eu un Neverland en 9 mètres. En mode, on a quoi? Ah, j'ai pas remis. Ah, ça fait sur combien de mètres? 6 mètres, non, c'est trop petit. Ça, c'est 18 mètres, c'est trop gros. 7 mètres 8, c'est trop gros. Levé d'air chat, Sinon, super. le comme tu disais, le Gouvernelan, là, le En 9 celui mètres? du DLC là. Ouais, où j'ai le Vader Chat Le... en 12 mètres. Moi aussi. Il faut 300 chevaux, par contre. Et il fait l'engrais en même temps. À la Ouais. limite. Ouais. À la limite. Le temps le tempo L16. Ouais. Bon, je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Je crois qu'il était Bah c'est neuf. clair, on le voit pas souvent, ouais. Donc ouais, on va prendre celui-là, les amis. Ça me plaît, ça me plaît. Ça coûte un peu d'argent. Comme vous pouvez voir en dessous, Monsieur Flo vient de se connecter pour jouer à FIFA en même temps que nous jouons. Voilà. Il va peut-être en lancer un petit live d'ailleurs. On tourne. Ok. Donc voilà, ça va nous coûter 160 000 euros. Et le compte est déjà tout bas. Oh, papy, papy, arrête de dépenser de l'argent. Donc du coup, j'aurais pas besoin de passer de l'engrais. Si? Je passe un coup d'engrais qu'on déchaume, mais quoi. Sème, c'est bon. Bah oui, faut passer un coup d'engrais, après on déchaume et tu sèmes. Ça. C'est bon. Donc, là, je vous laisse la canne accélérée de quand je vais chercher le. Hein? On a encore Le bordel, le tout le bordel truc. qu'on a acheté là. Hein? Normalement, on a de la. C'est de la semence ou de l'engrais ça? Non, ça Ça c'est date quoi? de la semence, ça. C'est de la semence. C'est de la Il me semble chaux. au loin. Et à mon avis, dans les pendeurs à chaux, c'est de l'engrais. C'est possible. Rien leur acheter si on en a. Non, il y a de l'engrais dans le silo, je crois. Mais non, de toute façon, il y en a encore là de l'engrais. Je vais décharger l'engrais. Et puis là. Rappelez-moi avec l'émission d'engrais que j'ai. Voilà, hop. Il y a du champ qui clignote sur la carte. Hein. Regardez. C'est ça. J'en ai rajouté. Avec le Konov, tu iras plus vite du coup. Ouais, bah oui. Hop, on va partir là-dessus. Ce touch. Comme ça au pire. Hop là, je vais aller chercher ça, je vais vous laisser en accélérer. Je range ça proprement sous le bâtiment. En espérant que quand on va déchaumer, ça va pas ressortir les cailloux. Non, En non, même temps, il non. en faut pour la machine à chaud. Que quand tu la bois. Allez, hop, on laisse le 2 ici, je reprends mon fent. Hop. Allez, accélérez à tout de suite les amis. À tout de suite. Nous voici, j'ai comment s'appelle? J'ai fini de mettre l'engrais, papy a fini de ramasser la paille, donc on va voir le total. 755 000 litres de paille. Voilà. Donc on est vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Vous voyez, il est en train de déchaumer là. Il a mis le John Deere en rouge une mèche. Yes. Yes. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que bah, il va commencer son deuxième tour, on va pouvoir commencer à se mettre derrière lui. Il a été me chercher le semoir au magasin et il me l'a déjà rempli. Normalement, ça va nous C'est mettre prêt. ça va nous mettre la deuxième couche d'engrais. Il est prêt en maïs. Et là, je viens de voir qu'il se déplie, ça a l'air d'être magnifique. Regardez, les roues arrière, elles s'écartent. Je crois pas qu'il était sur le 19 celui-là.
Si, si. Si, si. Bon, j'ai jamais utilisé. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a jamais utilisé, ouais, ouais. Mais il était. Allez, on va baisser la rampe, on active. Et voilà. C'est parti. Non, le petit bout de d'avoine là, impossible, il veut même pas se déchaumer. Ah. Bon, mais écoute, on laissera comme ça. Ah, bah, si, là, j'ai réussi. C'est même pour le moissonner, j'ai essayé dans tous les sens, ça n'a pas voulu. Ça, par contre, c'est un peu cheaté, c'est matériel d'origine et tu peux se mettre à 18, quoi. Si ça, c'est pas un peu cheaté. Voilà, on sème notre premier maïs, les amis. C'est cool. C'est cool, c'est cool. La preuve que la série avance. Voilà, voilà. Et donc, du coup, normalement, ça marche avec la couche d'engrais. On pourra plomber aussi derrière, comme ça aura toutes les activités du semis. Composition du sol. Ah, bah, il y a besoin de choses. Ouais, yes, ça marche. Bon, du coup, besoin de choses, c'est juste le tour, les amis. Et, on attendra que le champ ait besoin complet. On n'allait pas sortir la machine à chaud. Juste pour ça. Ouais, c'est juste l'agrandissement qu'on avait fait, ça. Où il y a besoin de voilà, vous voyez la rampe sur le champ là, les amis, du coup. Le papy nous a fait. Voilà, les amis. Comme ça, on met la benne en bout et on recule avec la machine à cailloux pour vider dans la benne. Voilà, c'est plus facile comme ça, la benne directement dans la machine à chaud. Et ça produit, ça produit. Donc, ouais, on a notre premier point de production, hein, quand même, mine de rien, qui est mis. Mais bon, au prix de la chaux et au. À la vitesse où ça, ça part. Je vais rattraper Papy, puis on va essayer de faire une belle miniature. Je pense pas qu'on puisse fournir notre propre chaud. Tous les chauds. Ouais, non, on serait obligé d'en acheter. Ouais, mais au moins que ça soulage, quoi. Ouais. Voilà, les amis. Non, puis voilà, c'est bien, on fait des activités de semis aussi, c'est important de montrer ça dans les épisodes. Ouais. Et là, on prépare l'arrivée des vaches, mine de rien, comme c'est prévu dans l'objectif. Il faut qu'on ait la stabulation, qu'on ait tout ce qu'il faut pour accueillir nos vaches. Matériel compris, hein, donc tonne à eau, pailleuse, du coup pas de mélangeuse, parce que bah, on va acheter la grosse stabulation. Plus l'achat de la grosse stabulation, et on va gagner 30 vaches grâce à ça. On avait dit qu'on durcissait les paliers, hein. On avait dit. Et puis, si tu peux m'attendre en bout de champ que je fasse une miniature, s'il te plaît. Ça marche. On est prêt à partir. Bon, avance un peu, limite, comme ça, moi, je vais me mettre derrière. Ouais, ouais. S'il te plaît, merci. Dis quoi, tu m'arrêtes. C'est sympa, la texture des déchômages, quand même. Même si quand tu sèmes. Mais... Je m'arrête là, non ? Ouais, c'est bien. Ils sont vachement améliorés quand même, nos amis. Ah oui, franchement, oui, il y a quand même du changement. T'as déchaumé sur ce que j'ai semé, papy. Où ça? Au bout, là. Ah ouais, bah oui, t'aurais dû... Ouais. T'aurais dû laisser une fourrière avec les coups. Bah ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Du coup, est-ce que je vais pouvoir ressemer dessus? Hop, allez, bon, je... Oui, mais... bonjour, enfin, rebonjour à tous les amis, on est dans la suite de l'épisode. Mais là, tout d'abord, on va vous présenter nos meilleurs voeux, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bonne année, bonne santé. Voilà, surtout la santé, le reste va venir par la suite. J'ai eu un problème d'enregistrement de rush sur la suite de l'épisode qu'on avait tourné avant la nouvelle année avec Papy. C'est pour ça que j'ai pas pu le sortir. Donc on se retrouve début janvier. Pour la suite de l'épisode, et comme vous pouvez voir, le champ de maïs qu'on avait commencé à semer, bah il est levé. Parce qu'on avait avancé avec Papy, entre deux, sans que je monte l'épisode, j'avais dit que je le montrais quand j'aurais 5 minutes. Et bah j'ai pas eu le temps. Et heureusement que j'ai regardé avant le montage, parce que j'ai un gros problème d'enregistrement. J'ai réglé le souci. Donc du coup, on va partir sur la moisson de maïs. Papy a pas mal avancé aussi de son côté quand il était en arrêt. Ouais, j'ai fait du œuf un petit peu, un petit chouïa. On a avancé les deux, il a fait du œuf. Du coup, il a récolté, je vais vous montrer dans le silo, hop. Il y a 325 000 litres de colza, et il y a déjà un peu de maïs qui traîne, ce qui c'est des surplus de mission.
On va s'atteler d'ailleurs à la moisson de maïs aujourd'hui parce qu'il est quasiment à 1002 et je pense qu'il va monter plus, il peut monter plus haut. Il a 1500 à Marissa. Au pire, on Le stockera. colza, c'est le champ 19 et le champ 11 Tout qu'il y a arrêté. dans le D'accord. silo, Ah ouais. ouais, Ouais. non, ça rapporte. Ouais. Donc voilà. Et j'ai vu que Papy avait fait pas mal de sous, parce que c'est lui qui a fait pas mal de missions. Et tout. On va vendre la moissonneuse pour acheter enfin Il notre. y en a, il y en a encore quelques-unes d'actives, hein. Je sais pas si tu as vu, Si, si, mais. si, si. On va vendre cette moissonneuse et on va acheter autre chose. Et attends, il me semblait que j'en avais vu dans. J'ai été voir, mais il n'y a plus. En promo. Oh merde, c'est con. Y avait Il y un avait une. fence. Moi, j'avais vu une Neuland Ah. en promo. Ben, Elle elle n'y est était à plus. 130, je sais plus combien. Bon, bah, ben, le semoir, il a un bug, je peux pas le vendre. Comme ça. Et à partir du magasin? Bah, du magasin, non, mais depuis la page, je vais essayer. Non, mais depuis la page, ouais, je veux Ouais, je vais dire. essayer. On va vendre ça, les amis. Ouais, moi, je peux le vendre. Bah, vas-y, vends-le. Ok. 8714. Vas-y. Hop, ça, c'est bon. On va acheter une classe. Parce que c'est close. Une classe. Ouais, on Une va. moissonneuse, tu veux Ouais. acheter? Ouais, oui. Si j'ai vendu la 2, c'est pas pour rien. On va acheter celle-là. Parce que celle-là, la Trion, elle me plaît bien. Parce que Papy me l'a trouvée, elle a des roues. Hey, regarde, sinon en promo, il y en a une à vendre. C'est une quoi? Ah, c'est une Beaut! À moins 55%! Et au frais d'affaires, si on l'a racheté. Putain! Ah, merci Fermi. Vous connaissez le cheat, hein, de toute façon, je pense que tout le monde l'a découvert, que si on loue du matos, qu'on laisse tourner et qu'on avance le temps, qu'on le revend, il vient dans l'occasion. Franchement, on peut cheater comme on veut. Là-dessus, leur truc est pas. Au point. Pas au point. Mais c'est bien parce que du coup, quand tu joues en multi, t'as un multi-ferme. Celui qui revend son tracteur, l'autre, il peut le racheter du coup. Normalement. Ouais. Ça c'est bien par contre. T'as vu que j'avais fait de la fauche aussi, non? Oui, papy a fait de la fauche et tout. Donc quand je vous dis que ça a avancé, je pouvais pas reprendre l'épisode comme si de rien n'était. Et puis de T'as toute vu façon, les andins, non? Ouais, t'as fait combien de coupes? non? Il y a 15 spawns dans mon JD, si tu veux. Je suis descendu. Il y a doit y avoir 3... y a minimum 3 coupes. Mais je crois que c'est 4, je suis pas sûr, mais. Donc attention, voilà la bête. 430. Ouais, J'arrive, papy, j'achète la barre de coupe avec les vas-y, abonnés. vas-y, vas-y. Non, mais je regardais les heures, je savais plus le nombre d'heures qu'il avait aussi, mon JD, mais il a pris cher. Ok, en classe. Il est déjà couleur classe. On va acheter celle-là, on pourrait travailler en 10 mètres 8. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec un chariot de barre de coupe. Donc on va sauter dans le tracteur de papy, on viendra voir la moissonneuse après. Tracteur de papito. Putain, allez, regardez les moissons, ça, la taille des andins. Galet, beau Zandin. Oh, va y avoir du Magnifique. foin dans le silo, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc là c'est cool. Le JDA Papy toujours aussi beau. Il est avec Oui, l'autochargeuse. faut que j'enlève les roues jumelées d'ailleurs, parce que je faisais des missions de semis avec. Donc il a 22 h Et... déjà, donc ça cause. Ouais. Puis on l'a acheté neuf. On l'a acheté 9 en plus. Ouais. Donc la moissonneuse, elle est ici. Par contre, j'ai pas fait le tour de l'intérieur, voir si elle était animée ou pas. Ça m'a l'air J'ai même d'être pas vu ce que tu as pris. Une classe, t'as dit, t'as une pris? Trion en La Trion. 435 chevaux, mais sur roue du coup. Ouais. Je vais faire sur roue. C'est pour ça que Papy l'avait trouvé. Elle est magnifique. Donc classe Trion 750. Ah oui, il y a plus. Ah oui. Ah, mais putain, mes missions que j'avais fait. Bon, ça a servi quand même. Ça a servi, de toute façon, avec le colza, Oui. il y a le triple d'argent dans le silo. Donc, on va ramener cette classe Trion et on va partir sur la moisson de maïs. De quoi, la Capello? La Trion, il veut pas être plus de 6 mètres sur la barre de coupe. Ah bon? En maïs. Ouais, c'est pas plus de 6 mètres. Pourquoi? Elle veut pas l'emmener? Bah, le truc, c'est que quand tu fais combinaison, il dit pas plus de 6 mètres. Ah bon? Ouais. Bon, après, il faudra tester, mais vu qu'on avait une 6 mètres à la maison, je dis on va partir là-dessus. Bah ouais. Bah ouais, parce qu'elle est quand même balèze, hein. 6 Bah. mètres, ça fait... Non, mais Enfin, tu me diras, ça on fait... achètera une plus tard, là. 6 mètres, Ouais. c'est déjà pas mal. C'est déjà, oui, c'est déjà pas mal. Et puis on a l'autre en 6 mètres. Je vais déjà faire le détourage et on mettra les deux après en Oui, route. on en a deux, ça fait déjà 12 mètres de12 barre de mètres, coupe ouais. dans le champ. Par contre, il y a l'air d'avoir du rendement. Papy m'a entretenu ça comme je ne sais quoi là. Ah bah de toute façon, tout est à 100, je crois.
Allez, nous en voilà les amis, on fait rendre quoi nous en voilà. Moisson de maïs avance vraiment bien, on est au bout. Hein. Je pensais qu'il y avait d'autres champs de maïs, mais c'est du tournesol que Papy a planté. Non, tournesol, ouais, j'ai refait, ouais. Donc voilà, il va y avoir un véritable braquage hein, quand même en maïs. Et puis le point marissum, il dit qu'il baisse, mais il a 1532. Donc je pense que c'est là-bas qu'on va aller vendre notre maïs. Pas la benne est pleine. Comme ça. On va aller sonner chez Marie, Marisson. Ouais, c'est ça. Il va pouvoir finir d'augmenter pendant qu'on livre tout le grain. Donc Papy Si, fixe que sa ligne que si. je prenne le reste. La benne est pleine, tu veux dire? Ouais, mais dans le flint, hein. Ouais. On va aller la remplir après pour aller au Amerisum. Pour Marie. Oh, Marie. Marie. Papy a refait le Dutz aussi pendant l'accéléré parce que le McCormick il avançait pas. Donc il a repris le Dutz mais il était à zéro alors. Il faut que je le répare, ouais. C'est ça. Bon, sinon la Trion, j'en suis très content. Elle va super bien. Donc ouais. On va voir si on J'ai peut pas même pas mettre regardé une. encore. On va voir si on peut Une mettre barre de une plus plus grande quand grosse. même. Ouais, voir en maïs si on peut pas mettre un petit 12 mètres dessus, si elle tiendrait. Bah, ou même 9 mètres. Hein. Ouais, parce qu'il y a 435 bourrins dessus, donc on verra ça Bah, pour le. normalement, elle devrait les emmener, hein, ouais. On ira tester ça en faisant le tournesol, on ira voir Jean-Jacques le concessio pour faire un test. Oui, c'est Jean-Jacques aujourd'hui, j'avais envie de l'appeler comme ça. De toute façon, on peut. Je peux envoyer au tournesol, enfin mettre la bécane près du champ de tournesol maintenant. Oui, on va aller livrer Marie Somme, on va aller voir Marie. Oh Marie, si tu savais. Juste mettre la moissonneuse là-bas. Hop. On attaquera la moisson du tournesol ainsi qu'on va se faire un petit épisode tuto, bon, tuto pour pas tuto mais vraiment pour le gérer correctement un champ du broyage jusqu'au semis je pense. Ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude pour le rendement. Je dis pas qu'on est des pros loin de là, mais ceux qui comprennent pas Et on forcément tous sait les comment termes, qu'il faut qu'on fait. voilà. On regarde On sait. l'univers. On regarde univers Simu, Papy regarde Schizofaf, j'ai encore pas été seul. Schizofaf, ouais, moi pour les rendements, ouais, j'ai regardé Schizofaf pour savoir vraiment la première étape. Ouais, il a bien expliqué, c'était bien fait. J'irai voir ça. Hop, j'ai encore le réflexe d'appuyer sur le clavier pour les touches. Je ramène la moissonneuse là-bas au champ de tournesol. On fera ça au prochain épisode. Au pire, on mettra des ouvriers pendant qu'on sème. Là, du coup, il faut qu'on casse les. Faut qu'on broie les cannes. Mais par contre, le broyeur, il faut que j'en trouve un autre parce que ça fait un peu cheaté, on me l'a dit dans les commentaires. Je crois que j'en ai trouvé un. Il fait 9 mètres, donc 9 mètres de large, ça Voilà, serait pas c'est plus trop. raisonnable. C'est raisonnable, je pense. Et il fait vraiment, enfin, ça ressemble vraiment à un broyeur, je crois. Ok, bah c'est cool, ça. Merci, Papito. Donc, on va les livrer à Marissam. Papy est plein, il est déjà parti. Je t'attends, je suis en bout de champ. Et la benne, 1550. tu sais que t'avais pas mis la bonne config de Ben, de Reus? Ah ouais? Elle était à. Ouais. Elle faisait 33 000 avant, là maintenant elle en fait 36 000. Ouais, parce que j'ai acheté comme ça et on l'a pas, j'ai pas modifié derrière. T'avais pas reconfiguré, ouais, d'accord. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais chez moi c'est la tempête. Nous c'est gris, y a pas de vent, mais c'est tout gris. Tout cas, la ferme, je l'aime de plus en plus, vivement qu'on ait les vaches déplacées là, que ça fasse quelque chose de bien. C'est bien, c'est qu'à la place du tournesol, on pourra peut-être remettre du maïs à la limite pour faire un ensilage. Mais avant de faire l'ensilage, il faut que je voie avec les membres de la team. Quand est-ce qu'ils seront là? Hop. Donc, on est parti les amis, on se fait un peu du intérieur. On sait bien la série plaît de plus en plus, je suis content parce qu'on bosse pas mal avec Papy dessus, puis bah Franchou quand il est là, puis Flo aussi. Voilà, hein, chacun a des métiers prenants. Oh bien, hein. Bon, on aura à manger pour ce soir. Et tu Un la biche? chevreuil qui a travers. Ah oui. Oh bah mince. Il y a de la pluie qui arrive, celui-là, si c'est mis en route. Ah, faut que je bâche. Ah mince, je peux pas la bâcher la benne. Oh, il pleut! Mince, les amis, il pleut! Bon, par contre, Ça va laver le on tracteur. va. Ouais, Impeccable. mais je sais pas si ça marche sur le 22. Si, si, tu vas. Vas-y, d'accord. Par contre, je vais baisser le temps parce que là, ça avance vite hein, quand même. Et puis, il fait un peu nuit. Hein. Et on met les feux. Voilà Marissom, c'est notre point de vente favori Marissom. Donc ouais, n'hésitez pas aussi à aller voir les chaînes de Florian, donc Gifle d'1.4, la chaîne de Franchou. Franchou.
Franchou. Franchou, I. Non, 10. Bon, 10. Donc le panel, le cherchez pas en ce moment. Il est en rupture de stock partout. Hein. Tout le monde s'en plaint. Avec voilà. Le 22, ils ont refait, ils ont refait les bonnes ventes. C'est ça. Alors, le prix, il est à 1561 et ça continue de grimper. Je sais pas jusqu'à combien il peut aller le maïs. Donc soit on prend le risque de passer une nuit. Soit pas on prend le risque. Moi je prendrais pas le risque mais... Moi non plus parce que 1500 pour du maïs ça me semble véritablement correct. Bah ouais. J'ai pas eu l'habitude de le voir aussi haut sur le 19 moi. Pour le temps qu'on livre on va laisser au pire on va se mettre en fois 10. On va le finir au pire. Je vais vous faire une petite coupure et on se retrouve au moment où on a chargé dans le train et qu'on est prêt à vendre, ce sera plus facile. Et on est en train de remplir la fin du train, il y a 136 000 litres de maïs, le prix s'est enfin calé. 1500 et quelques, j'espère que c'est le bon prix et qu'on s'en voudra pas. On passera la nuit par curiosité après. Pour voir, ouais. Allez, on va vendre ça puis on finira l'épisode là-dessus, ça fera un bel épisode, il y aura eu du début de semis puis bim, on récolte derrière. Je sais, mais bon, voilà, vous, ceux qui auront regardé toute la vidéo auront eu l'explication. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On vous aura mis au moins l'achat d'une nouvelle moissonneuse. Oui, ce sera déjà ça. Bon, vu qu'on est en multi, hein, deux moissonneuses, c'est pas trop. Même quand on est tout seul. Non, c'est clair. Attention les amis. Oui. Oh la vache. 213 000 euros de maïs. Ça, c'est bon. T'as payé combien la moissebat? 1000 et quelques, même pas. Ah, la moissebat 400 et quelques mille quand même. Elle est quasi remboursée. Ah, non, ouais. Ouais, ça nous a mis une bonne moitié de. Ouais. Encore, il y a le colza, tout ça à vendre. Hein, donc, Oui. Hop, ouais. Rendre visite à la maison et on va dormir jusque 7h du matin. Et là on va voir si le prix a bougé. Non. Il est toujours à 1561. Ouais. Puis. Ah ou alors ça c'est pas. Ça s'est pas actualisé. Non, justement, je suis en train de regarder, mais ça a pas l'air de. Mets-toi en x5. Tu veux que je me mette en x5? Sinon je m'y mets. Hop. Là. Et 1300, il est à 1375. Il est encore en train de monter donc. Non, je pense qu'on. Par contre, il est en train de remonter à Marissom, mais vraiment quoi. Ouais. Bon bah au pire comme ça nous permettra de voir là où on en est. On a tout ça en œufs à les vendre. Donc les œufs sont à 3000 et quelques, c'est encore en train de monter. De toute façon c'est le magasin qui nous intéresse, la boulangerie c'est une corvée. On a 320 000 litres de colza, c'est en train de monter aussi à Marissom, donc voilà pour le prochain épisode. On aura aussi du tournesol à les vendre, il est en hausse aussi. Donc le prochain épisode, ça va être un véritable braquage, et je pense qu'on pourra enfin placer les vaches. Ouais. On sera pas loin de placer les vaches, on n'aura pas encore tout ce qu'il faut pour faire une ration, mais on sera pas loin d'ici les deux prochains épisodes, le palier sera fini. Ce sera pas mal. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, matin. Vous connaissez la chanson de la team ASG. Je remercie Papy d'avoir fini l'épisode avec moi. Et d'avoir de rien, avec aussi. Plaisir. Je vous remercie d'avoir vu l'épisode jusqu'au bout pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu jusqu'au bout, un petit code dans les commentaires. Mettez Agrissime. Comme ça, on verra ceux qui regardent jusqu'au bout. Ciao, ciao, ouais. Bye bye. Ciao, ciao, salut. Salut.